Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Nerf Long Strike CS6. Donc c'est un sniper comme vous pouvez le constater. Donc dans le carton il est équipé d'un canon, voilà, d'un chargeur de 6 balles et les 6 balles, et un viseur. Et la crosse dans le carton en fait elle est détachée. Mais après, on la met et on peut plus l'enlever. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc moi j'ai mis une sangle, mais ce n'est pas vendu avec. Voilà. Donc, le canon, je vais le mettre. Donc, le canon, il y a deux trous là et deux bosses ici. Voilà. Ça se clipse. Hop. Moi, il est un peu dur, je sais pas pourquoi, donc excusez-moi deux minutes. Voilà. Donc il doit être cassé. Donc là, on a un petit viseur ici. Ça fait déjà un petit viseur. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Après, il y a une, deux, trois, quatre ailes. Donc le viseur se met dans ce sens là. Donc moi je le mets plutôt ici sur la deuxième rail. Voilà. Donc ça fait un sniper bien. Donc au début je sais pas si c'était les balles ou le sniper, le nerf, parce que moi au début il dit sur le carton que ça tire à 10 mètres. Mais au début ça tire à 3-5 mètres maximum. Puis après, ça commence à tirer un peu plus loin. Donc, il y a quelques accessoires qui peuvent se mettre dessus. Donc, le canon du Recon. Un autre chargeur, car la crosse peut contenir deux chargeurs. Voilà, un ici, un ici. Ce qui est très bien. Après, on peut mettre... le viseur laser du Recon en dessous. Regardez. Donc ça fait stylé, non, en fait. Et aussi si on veut, on peut mettre le chargeur tambour du Rider. Voilà. Donc là je vais passer au test. Donc la poignée, il faut la mettre en arrière. On insère le chargeur. Donc excusez-moi de bouger la caméra. Voilà, on insère le chargeur et on tire la poignée. Voilà. Donc maintenant on va passer au test. Donc je vais ouvrir la porte. Hop. Voilà. Donc je sais pas si vous allez très bien voir. Je vais allumer le viseur laser. Voilà, donc je vais tirer. Voilà, donc il n'y a plus de balles. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous allez voir les autres vidéos. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.